La population est en train de revenir. Ça, c'est la bonne nouvelle, chers amis. En termes d'électricité, l'électricité est toujours là. Bon, ça fait plaisir. Ok. Ok, ok. Tout va bien. Tout va bien. Voyons voir ce qu'on peut faire en tant que politique. Consommation d'eau, consommation d'énergie. Non, je veux légaliser le cannabis. C'est le premier truc que je veux faire. C'est automatique. Légaliser le cannabis, c'est automatique. Très bien. Beaucoup de voitures sont parquées. Ça fait plaisir. Ça veut dire que les gens ont beaucoup de place. Ils sont contents. Ça, c'est les petites voies à sens unique. Je vous l'accorde. Mais regardez, les gens la prennent, la respectent. Et là, regardez, il n'y a même pas de feu rouge. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. La circulation est fluide. Là, il y a un autre feu rouge, ce qui fait chier, je vous l'accorde. Mais la circulation est fluide. Très bien. Bon. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Et même que le pognon commence à rentrer, regardez la bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à installer une école dès lors que ces enfoirés m'y donnent accès. Et cette école, je vais la placer... C'est une chose moche, et dans ce cas-là, les choses moches sont pas optimisées. Trop de routes parallèles qui te font dépenser de l'argent pour rien. Pourquoi qu'ils me font dépenser de l'argent pour rien? C'est des routes parallèles, elles doivent être là. Alors vous, tu vas me dire, oui, celles-là, elles sont peut-être un peu en trop. J'aurais pu alternativiser encore un peu, c'est vrai. Et continuer mon segment. Mais j'aime bien la forme que ça prend. Moi, ça me dérange pas. Regardez, puis ça les dérange pas eux non plus. Et regarde, la circulation, là, on a l'impression qu'on a beaucoup. Là, bam, ça passe au vert, ça roule. C'est fluide. C'est fluide, et moi quand c'est fluide, j'aime. Très bien. Dès que j'ai débloqué les autoroutes, de toute façon, je fais ces deux bancs en autoroute. Parce qu'apparemment, aux autoroutes, il n'y a pas de feu. Donc du coup, pourquoi le gouvernement local ne fait rien contre les incendies? Il y a un incendie? Apparemment, oui, c'est pas important. Le gouvernement local ne s'occupe pas des incendies. Le gouvernement local s'occupe de l'éducation de tes bambins, espèce d'enfoiré. Donc t'auras le mérite d'être un peu reconnaissant et de fermer ta gueule. D'ailleurs, à la seconde où j'ai l'argent, je pose cette école directos sur le cul de cet enfoiré. Tu vois, le mec, il a sa baraque. Alors, rien à foutre. Combien ça coûte? 12 500. Je n'ai pas l'argent. Ça y est, j'ai l'argent. Du coup, tu vois ta baraque? Bam! Direct. Bon, tu pourrais la poser de l'autre côté aussi. Oui, mais de l'autre côté, j'ai l'intention de faire des routes. Il va se passer des choses de l'autre côté. Donc, malheureusement, ça ne sera pas possible. Bam! École publique. Tout le monde est heureux. Et tout le monde sera bien éduqué. Et même qu'on va mettre un peu de budget dans l'école publique, vérifie si on a assez d'électricité. On a assez d'électricité, c'est en haut à gauche, vous voyez. Est-ce qu'on a assez d'eau? Oui, on a assez d'eau. Est-ce qu'on a le traitement de l'utilisation de la décharge? Ça, je l'ai. La santé, tout le monde est en train de crever dans sa chiasse. Le feu, les flics, ok. Le maire soutient l'éducation, exactement. Fini l'école à la maison, hashtag FN. Voilà, comme ça au moins. Bob, le nom de ta ville, tu peux en changer. Rockwood. Dur de bite. Non, je déconne. Leningrad, vendu. C'est parti. Apparemment, il y a une demande pour de l'industrie. Ah. Le truc, c'est que l'industrie, pour moi, c'est quelque chose que je souhaite pas développer plus que ça, quoi. Pour des raisons purement étatistes, hein. C'est le seul moyen que j'ai de suivre la route. Apparemment, il y a du crime. Il faut juste appeler Capital, écoute. Hein, ils feront de l'argent dessus. Très bien. Donc là, jusque-là, tout va bien, tout va bien. J'aurais bien un bâtiment à brûler. Putain, mais c'est de la merde. Hein. Voilà, il est viré. J'aimerais bien mettre, en tout cas, tout ce qui est polluant sur cette partie de l'île, en fait. De ce côté-là. En créant un pont. Le gouvernement local ne fait rien contre les incendies, ne fait rien contre le crime non plus, me fait pas chier.
local fire station et antenne de pompiers. Police rural station, voilà, une petite station de police rurale. C'est pas beaucoup, je l'accorde. Mais ça soulage. Voilà. Vous voyez que ça n'a pas une portée... ça n'a pas une portée flagrante, ça ne fait que juste ce quartier. Mais en attendant d'être remplacé par un gros commissariat, ça fera l'affaire. Pareil pour la petite antenne de Pomplard, juste à côté de l'école primaire. Tout ceci est centralisé. Dès lors qu'on aura de l'argent... Petite agglomération, yay! Super! Incroyable, intéressant, on s'en fout. Ce que je veux, moi, c'est une petite station de pompelard. Voilà! Et Bob, cette petite station de pompier ne pourra jamais atteindre... les industries, pour ce que je m'en branle. Alors, voyons voir, tac, 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 oh! Statue de Gundam. Ça, c'est des trucs bonus que j'ai DDL. Ok, très bien. Donc voilà, il y a du crime, mais ça devrait bientôt être réglé vu que l'antenne de police est en train de s'en charger. 5 voitures de police en service, très bien. Ensuite, pour faire une école élémentaire, ça c'est ça, et un collège. Ce serait l'idéal, mais il me faudrait plus d'argent pour un collège. Très bien. Tu l'as placé comme un sac, ta voix à sens unique. Laquelle? Laquelle? Merde, je l'ai placé sur un... Putain, t'as raison, je l'ai placé sur un... Sur une voie à sens unique, merde. Du coup, s'il doit aller sauver les gens là, il peut pas. Transférer le bâtiment. Coût de transfert, 1 200 $, je l'accepte. Voilà. Faites pas semblant d'être triste, faites pas semblant d'être triste. Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ils n'ont plus d'électricité. Que se passe-t-il? Pourquoi n'ont-ils plus d'électricité? Parce qu'il n'y a pas assez de gigawatts. 10% de gigawatts en plus, 10% de flotte en plus, parce que généralement ça ne tarde pas à suivre. 10% de poubelles en plus. Activation. Voyons voir. Assez de gigawatts. Assez de gigawatts. Et assez de gigawatts. On va encore booster les gigawatts. On va les mettre à 100%. Allez, fuck it. Fuck it, je claque tout mon budget. Je claque tout mon budget en gigawatts. Voilà. Et c'est parti. Antenne de pompiers. Waouh, nouveau bâtiment. Un vrai bâtiment. Si je l'installais, il aurait une portée jusqu'où? En fait, ce serait pas mal, hein. C'est pas mal, une antenne principale des pompiers. Ça ferait plaisir, là. Bon. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, donc on va laisser le temps s'écouler. Après tout, je veux dire, un grand truc de pompier et un grand truc de police, c'est un peu trop grand. J'ai débloqué le Solar Power Center. Ça produit 2 MW. Oh, ça traite la poubelle. Oh. Attends, pollution 5 contre pollution 100. Bah putain. Capacité de poubelle 20, 15.
Ah, c'est cool ça. Ça traite et ça détruit les décharges en même temps. Mais c'est pas grave, ce que je voudrais, moi, si possible, plutôt qu'une école élémentaire ou une école privée, je crois qu'en plus c'est ce que j'ai installé, private college primary. C'est-à-dire que j'ai installé une école privée. Une école privée, 500 étudiants au lieu de 3. Au lieu de 300, c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, je vais installer un collège. Sauf qu'avant d'installer le collège, je vais installer les routes de Leningrad. Comment je vais faire? Déjà ça c'est sûr. Déjà. Ça c'est pour commencer. Ensuite ça aussi. En fait je vais faire l'installation urbaine exactement comme si... Comme si je la faisais, mais de l'autre côté en fait. En alternance comme ça. Ouais, ça fait. Ok, je vois. Ouais. Donc on peut faire tout le temps le tour en fait. Ah ouais, comme ça. Comme ça. Ok, j'aime bien. J'aime bien ce placement en fait. J'aime bien ce placement parce que même s'il a l'air de faire chier. Il est alternatif, il permet au système de respirer. Moi j'aime bien. Ensuite ça c'est une voie, est-ce qu'elle est à sens unique? Oui, elle est à sens unique et elle part de l'intérieur. Et bah cette voie là, elle partira de l'extérieur pour arriver là. Mais le truc c'est que j'aimerais éviter les feux rouges. Pourquoi il y a des feux rouges? Ah oui là, c'est normal. Là il n'y a pas de feu rouge, non il n'y a pas de feu rouge. Mais là on peut revenir par la voie principale. Et là aussi on peut revenir par la voie principale. Mais on peut pas la remonter, il faut la remonter par... Partout là-bas, d'accord, donc c'est mal foutu. Donc c'est mal foutu. Si je veux aller là... Non, attends, si je veux aller là, il faut que je fasse... Ah, je peux pas, je suis Kéblo. Ah, je peux pas remonter par cette rue, je suis Kéblo. Ah, je peux pas rentrer, il faut que je revienne tout en haut. Ok, donc c'est de la merde. Wouh, trop bien. Trop bien, trop bien. Si j'habite là et que je veux aller là, il faut que je fasse... Wouah, space. Il faut que je space. J'alterne. Là ça descend, donc là il faut que ça monte. Si je veux alterner intelligemment, hein. Bob, Bob, il y a plein d'emplacements inutilisés. Bah oui, mais dans ce cas-là, je vais mettre des grands parcs. C'est quoi ça? Mini English Garden Park. Ah ah! Small Expo Park. En plus, ça augmentera la valeur foncière du lieu. Place arborée. Parc arboré. Voilà, c'est bien ça. C'est trop large. Parc avec table à pique-nique, t'as rien de plus gros? Tennis court, des tours courts de tennis. C'est quoi ça? Un petit terrain de jeu.
Paradox Plaza, je sais pas ce que c'est. Un terrain de baseball, on pourra en mettre un plus loin. Une plaza couverte, un club de tennis, un skatepark. On va mettre un grand parc. Voilà, parc arboré. En mode full technologie. Qui est-ce que ça concerne? Fais voir cet angle. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien, c'est pas mal ça. Bam! Et juste à côté la route. Boum! Efficacité lennonienne. Vous avez vu ça un peu? Vous avez vu ça? Alors on va mettre le reste du budget qui était prévu dans une école. Un petit parc anglais. Une piscine locale. Deux piscines locales. C'était juste des arbres, c'est mal foutu. En fait non, c'était complètement useless, je vais le détruire. Oui, je veux détruire cette structure, je veux la remplacer par une zone habitable. Excusez-moi, c'était une erreur de ma part. C'était mal calculé. Ensuite ça c'est des chemins de terre, comment c'est ça? Chemin de gravier. Chemin de terre. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour faire genre j'en ai quelque chose à foutre d'eux. Et enfin, on va mettre un tennis, un cours de tennis, parce que c'est quand même ultra hype. Boum. Alors est-ce qu'il est moche? Ouais, il a pareil, il est là. Hein. Il y a un cours de tennis qui est tout petit d'ailleurs. Il est ridicule ce cours de tennis, hein, mais bon, c'est pas très grave. Un champ de baseball, non attends, une place. Une place, une place, une place, une place stylée. Boum, je la mets là parce que plus tard ce sera important. Un skatepark vers l'école primaire, ça m'a l'air pas mal. Quoique le skatepark ça m'excite pas vraiment en fait. En plus ça coûte cher, non merci. Un tennis club, non. Merde le tennis, mais je l'ai mis, il coûte 15 000 en fait. Ah je me suis ruiné le cul. Ah. Non, bah non, je me suis trompé alors. Ah non, d'accord, c'était juste un terrain, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est quoi? C'est un petit parc. Il n'y a pas un parc à jouer pour enfants là? Place arborée. Paul met le bush strip. Petit terrain de jeu, c'est ça. Un petit terrain de jeu qui pourtant est super grand, mais c'est pas très grave. Mettre ça, petit terrain de jeu, il y a le parc. Où est-ce qu'on peut leur mettre le petit terrain de jeu?
Le petit terrain de jeu. Le problème, c'est que je détruis la moitié des maisons en faisant ça. Oh, puis fuck. Voilà, va pour un petit terrain de jeu. Hop. Allez vous faire foutre, les enfants seront heureux. Avec ça, on attribue... Oula. Ce que j'appellerais le Kazen. Hop. Le système d'eau, il suit parce que je suis impeccable. 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 Regardez ça. La feuillette réglée au poil de cul. Hein. Au poil de cul. Putain, c'est bon ça. Bien sûr, l'électricité, ça sert à rien. C'est overrated de toute façon. 40 MW et on en consomme 28. Faudra bientôt que je pense. Solution alternative. Bon, enfin, on y réfléchira quand ce sera le problème. Et boum, plein d'énergie après un bon jogging dans le parc. Ah là là, pff, péteux. Ouais, j'avoue que c'est classe. Il y a quand même un petit prestige, il faut l'avouer. Waouh, la nouvelle place est vraiment super. J'aime les places. Regarde ça, elle met une piscine et tout. Regarde ça. Le système de santé municipal est instant. Merde, c'est vrai que j'ai complètement oublié le système de santé. C'est brave. 80 000, 32 000. Une church. Va pour une clinique médicale dès que j'ai l'argent. 10 000 dollars, super, j'ai l'argent, que se passe-t-il? Alors ça c'est quoi ça? Ça je crois que c'est les pompiers, ça c'est les flics, ça c'est l'école. Et ben juste à côté. Mec, notre ami la clinique. Boum! La maison elle est virée. La clinique à côté des plomplards, à côté des flics, à côté de l'école. Tout ceci est calculé, chers amis. Et bientôt, là, il y aura, comme prévu, normalement, là, un collège. Bam! Pas mal, pas mal. Hashtag vaccin. L'imbécile se fait vacciner, il sait pas que ça donne l'autisme. Merci, Zoubionné. Tu as bien perçu l'argent de la ville, mais où est la nomenclatura possédant l'argent du peuple et les ghettos des masses? Mais la nomenclatura, elle est là et elle te domine dans l'idée. Elle te domine dans l'idée. Le camp du bien, c'est mon parti. Si tu votes pas pour mon parti, tu fais partie du mal. Tu penses mal. C'est-à-dire que t'es pas allé à l'école, que t'es un salaud et tu nous ramènes aux heures les plus sombres de notre histoire. Tu te rends compte à quel point t'es un monstre? Tu te rends compte que toi seul est responsable de l'échec de mon parti quand même. J'espère que tu réalises. Ça devrait passer, ça devrait tenir. J'ai l'impression que ça tient. Ça tient. Mais Bob, quelle école? Oui. Non, l'école, il y en a une d'école. Fais-moi pas chier, regarde. Ça, c'est une école. Je sais que ça a pas l'air, mais c'est une école. Une école primaire. D'ailleurs, c'est une école primaire privée. Privée. Une école à enseignement islamique, s'il te plaît. Bon. Il est quand le prochain objectif? À 1900. Très bien, on y est presque. Les améliorations continuent de profiler. J'entends une ambulance. Ça ressemble à une vieille cafette. Je t'emmerde, c'est une école primaire extrêmement avancée. Regardez les enfants à l'arrière. Quelle belle ville. Je dirais que c'est le rêve si je savais que ça n'était pas le cas. Ah là là, t'as raison. Suce-moi la bite, ça te fera du bien. Alors, la police, 240 dollars elle me coûte et 272. C'est pas très cher, personnellement. Même si c'est un budget hebdomadaire. N'empêche, mes bénéfices sont beaucoup plus forts. On va baisser les impôts un tout petit peu, histoire de voir si ça fait venir les... Si ça fait venir un peu les péons. Je sais que j'ai baissé gravement mes bénéfices là en faisant ça, mais... Bon. Moi, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, hein.
Oula, j'ai rien dit, ça bouchonne grave là en fait. Ça bouchonne grave, ça bouchonne grave. Putain, vivement qu'on ait ça. Et après, on pourra enfin virer ça. Alors, là, ça bouchonne, c'est casse quand même. Ça bouchonne, c'est cause. J'ai le droit, mais je t'emmerde, je les donne. C'est si difficile de faire un réseau électrique? C'est pas vraiment la technologie de pointe. Ouais, c'est parce qu'on commence à être faible en termes de mégawatts. Mais t'en fais pas, ça va être débloqué très bientôt. 1900, ça y est, on a atteint le niveau 3. On a droit aux éoliennes avancées, au dépôt de bus, au cimetière, au grand rond-point, à l'autoroute, aux bretelles d'autoroute. Très bien. L'intersection à trois voies et l'échangeur en trèfle. Très bien. On a le recyclage, les transports, les bâtiments uniques et tout ça. Le prochain objectif, c'est à 3800. C'est au double. Mais, Zawaldo, déjà, on arrête le temps. Primo, parce qu'on va mettre une éolienne avancée. Parce que ça produit 20 MW et ça coûte que 12 000 $. Et en plus, c'est propre. Donc, déjà. Ensuite, est-ce que ça vomit? Ouais, ça vomit de la pollution. C'est moche. Ça, ça vomit de la pollution, mais c'est pas très grave. Du coup, l'énergie verte fait plaisir et on aura largement assez de mégawatts avec tout ça. Enfin, pour la flotte, on est largement au-dessus de notre capacité, très au-dessus. Ensuite, nous avons eu droit à une église. Une petite église, pourquoi pas. Et on a déjà placé une clinique médicale. J'ai le droit aussi à un petit hôpital. C'est vrai que c'est stylé, mais c'est pas nécessaire. Par contre, ce dont j'ai le droit là, ce qui est le plus important, c'est que j'ai le droit à l'autoroute. La autoroute. Et c'est ça qui va changer ma vie. Dégagez. Feu rouge, pas feu rouge. Il a l'air d'avoir feu rouge là. Hein. Bon. Il a l'air d'avoir feu rouge, mais ça a l'air de rouler donc. Genre les voies à double sens. Because fuck it. Je m'avoue vaincu. Quitte à ce qu'il y ait des feux rouges de partout. Je préfère au moins que ça roule un peu, quoi. Très bien, très bien. Bon. Maintenant que ça s'est fait et que ça s'est développé et que tout a été dit et fait, il me faut toujours une enfin un collège. Et ce collège, on avait dit que l'école se trouvait où? Elle se trouvait là, le collège se trouverait en face. Espace déjà occupé! Bam! See if I care! Voici, j'en ai quelque chose à foutre. Bam! Un collège! Collège moche en plus, hein. High school, juste en face de l'école primaire. De la station de Flicos. D'ailleurs, à propos de ça, la station de Flicos, vous êtes plus efficace qu'avant ou bien? Ouais, quand même, hein, vous en chiez moins. Hein. Ouais, vous en chiez moins, ça fait plaisir. Par contre, là, ça crame toujours autant. Il y a toujours autant autant de police et de niggas. Pas de soucis, pas de soucis. On va réussir à gérer ça intelligemment plus tard. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, ce qu'on gère, nos chers amis, c'est le système d'infrastructure, encore une fois. Avec une infrastructure routière avancée. Voilà. Euh,
Est-ce que si on sera pas à voir, ce sera des rues à double sens. Ou encore à sens unique, hein, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, après tout, qu'est-ce que je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous? Là, ça suit la route, là, ça monte vers le haut. Là, je reconnais que c'est un peu mal foutu. Dans ce cas-là, j'en ai rien à foutre, j'en fais une voie double. Bam! Qu'est-ce que tu fais, Bob? Tu fais des voies doubles? Et t'avais dit que tu ferais tout un système de sens unique et des trucs super bien et tout ça. Rien à chier. Comment je vais faire pour connecter cette route de merde là? Appliquer ça, je vais appeler ça la technique de Monsieur Chias. Boum. Boum. Voilà, il y aura des embouteillages partout, ce sera horrible. J'en ai rien à chier. Voilà. Les gens peuvent plus sortir de la ville. Ah merde. Tu me diras, ça aurait été une amélioration d'infrastructure assez importante, mais... Voilà, je te remercie. Ça avait été une autoroute, tu aurais pas tous ces problèmes. Ça enlève les feux rouges là où il y a toujours les feux rouges. Ça a l'air d'avoir toujours des feux rouges là. Ah ouais, du feu rouge ça sert à rien. Ok, très bien. Donc du coup... Ça, par contre, chers amis, c'est une leçon en urbanisme. Mais Bob, il est complètement pourri, ton design. Oh, ça va. Venez pas me faire chier. Alors, je vais mettre une plate zacreuse ici, stylée. Genre, too edgy for you. Voilà. Même si ça leur plaît, alors venez pas me la boucler, là. Dans les bâtiments, la tour de Tony Stark. Un Gundam géant, c'est stylé. La statue de la liberté, c'est stylé. Toujours pas de... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, c'est une belle leçon en urbanisme, ça, de Bob Lennon, ça. Allez. Rien à foutre. Du coup, donc maintenant qu'il y a une petite place bien sympathique et vachement jolie, là, que je qualifierais d'assez stylée. C'est quoi, ça? Non, ça, c'est les routes. Je peux pas faire des petites routes de PD jolies.
pour des routes comme ça là. Ouais, même si elle roule sur les maisons, je m'en fous. Merde, je suis allé trop loin. Ouais, Virstarm. Ah merde, non, les carrés sont pas pareils. Ah! Oh, c'est pas grave, c'est joli quand même. C'est joli quand même, joli quand même. Je me sens pas trop mal. Je me sens pas trop mal à l'avoir fait celui-là. Ensuite, en termes de parc, qu'est-ce qu'on peut mettre qui est joli? Ça, c'est nouveau, ça. Palm and Bush Trip, non. Smal Expo Park. Je sais pas ce que c'est. Mais ça fait exactement la bonne taille, donc on va s'amuser. Je sais pas, mais en tout cas, ça me plaît. En tout cas, ça me plaît, en tout cas, ça me plaît. En tout cas, ça va leur plaire. Voilà. Ça va bénéficier à mort de l'amélioration foncière. Et qui dit amélioration foncière dit fric. Bien sûr. Plus de business. Because this is what we are, businessmen. Voilà. On est des businessmen, nous, messieurs. On pense fric. Et fric égale pognon. Pognon égale fric. Pour faire un périphérique. Un périphérique. J'en ai fait un périphérique. C'est cette espèce de grosse route. Ça compte. Qui veut que le gouvernement dépense de l'argent. Ah merde, ils sont pas tous couverts si je fais ça. Comme ça, elle est... Ah. Tac et tac. Voilà, c'est à la pisse, mais j'aime bien. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Meanwhile, du côté de l'industrie, l'industrie se meurt. Parce que l'industrie ne se fait montrer absolument aucun respect par le Lennon. Et c'est pas grave. Parce qu'il nous reste 710$, il n'y a rien que nous puissions faire pour l'industrie. Donc allons-y. Des nouveaux parcs? Grâce à monsieur le maire, je peux emmener ma famille, branler rien du tout et dépenser l'argent. Très bien, très bien, très bien. Tout ceci se développe, chers amis. J'aime beaucoup. À quand une partie de droite de la... Oui, de la ville. Putain, vous allez laisser Bob galérer comme un chien, non? Les bus, Bob. Pense fric everyday. Mais oui. Fric everyday. D'ailleurs, on va remonter légèrement les impôts. Quoique non, pas encore, pas encore. Le temps que ces enfoirés reviennent. tous les systèmes sont à 100%. Je vais les laisser tel quel. Quitte à perdre un peu d'argent, ce n'est pas très grave. Capacité de soins par le petit toubib. Apparemment, c'est parfait. Tout le monde est desservi par le toubib. Ça fait plaisir. Capacité de feu. Danger, 45% élevé. Note à soi-même. Pensez à upgrader les commissariats respectifs. Ce n'est pas très grave. Accélération du temps. Bien, bien, ça construit, ça construit, ça suit, ça suit. Ça s'abonne, ça s'abonne, ça fait plaisir. Donc là, je remarque par contre que la voie niveau 3 n'est pas améliorée. Oh, on smoke weed every day. Voilà. C'est mieux, ça fait un peu plus futur là tout de suite. Parfait, ça build, ça build. Et si ça build, ça augmente la rentabilité. Plus de fric. Et l'Egypte 643, capacité 1000. Question, ça c'est pour le collège, mais pour les enfants c'est bon. On a encore large au-dessus. Il nous faudrait des bus. Des banques bus. Et il y a un incendie. Il y a un incendie, est-ce que les pompiers y arriveront? Les pompiers sont là, je rappelle. Alors je sais qu'il faut faire le grand tour, mais
Les pompiers noirs, ils n'y arriveront pas. Les pompiers n'y arriveront pas, je le crains. Ah si, les pompiers sont là! Allez-y, les pompiers! Do it! Tididit! Ils l'ont fait. Ça veut dire que mon système marche. Mystérieux chef de secte prédit la fin du monde. Eh ben, on lui prédit qu'il ira sucer des bites en enfer. Bon, ça bouchonne, mais pas trop. Ça bouchonne moins que tout à l'heure, j'ai quand même l'impression. Hein. Ça a fluidifié, j'ai l'impression. Bon. Bob, l'école privée, c'est un des items que tu as ajouté. En plus, ça remplace l'école primaire et c'est équivalent. C'est équivalent, sauf que au lieu d'avoir 300 places dedans, il y en a 500. Et ça coûte plus cher. Parce que c'est une école privée, c'est du standard, tu sais. Genre c'est une école où genre 10 minutes avant le début des cours à 8h du matin, on te parle des récents événements, où on te parle de la foi en Dieu, tu vois. Ce que je peux comprendre. Bon. Là, il y a un bâtiment qui a brûlé. La résidence Rouge-Gorge. Mais que faisaient les pompiers? Je vous le demande, que faisait monsieur le maire? Alors le local des pompiers, on va le laisser là. Par contre, on va mettre un vrai local des pompiers, une vraie antenne de pompelard. Voilà. Situé, lui, le long de la route. Eh oui. Du coup, il aura un accès total. Bam! Pareil pour les keufs. Un commissariat de poulet juste en face. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Le fric rentre en plus, regardez ça. La population est plutôt heureuse. C'est surtout de ce côté-là, ouais, un bâtiment à brûler. Il y a une grosse demande industrielle. Bon. Eh bien, écoute, dès que j'aurai installé le bâtiment de flic. Ils sont où les pompes là? Là. Bâtiment de poulet. Bam! Juste à côté. Voilà, un bâtiment de la famille Poulaga. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah oui, un cimetière, merde. Le cimetière sera placé à côté de la décharge. Pour un traitement efficace des cadavres. J'ai connu. Ce serait pas mal le cimetière là. Merde, un bâtiment est en feu. Les pompiers sont déjà sur place. Regarde ça, sauvetage de bâtiment, efficacité. T'as vu ça un petit peu? Il est où Manuel Valls là? C'est bon, la zone industrielle est ultra polluée. Ah ouais, c'est clair que oui. Clairement, pour le coup, on peut difficilement faire autre chose. Bâtiment abandonné. Il y a un bâtiment abandonné qui gâche la vue. Vous pouvez le démolir pour améliorer le bonheur des gens. Ok, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. L'argent rentre, 2000$ d'avantage. Voyons voir ce qu'on peut baisser en termes de budget. 54 volts et 60% de volts, je ne peux pas me permettre de le baisser. En termes de flotte, 7000 et on pompe à 130 000, très bien. Donc on va baisser à 80%. Non, non, non. Ça
devrait passer. En termes de poubelle, 24% d'efficacité. Très bien, il faudrait que je pense à l'incinérateur à jour. En termes de soins, comment ça se passe pour les soins? Les soins, tout le monde est très heureux et ça voudrait un... D'accord, ça voudrait un cimetière. En termes de pompe là, apparemment le danger est plutôt faible, sauf de ce côté-là. Et là-bas, il y a une maison qui crame. Donc il faudra peut-être une petite... un petit local à pompiers ici. Histoire de sécuriser grandement la zone. Mais non, écoute. Hein. Pour les flics, comment ça se porte pour les poulets? Pour les poulets, tout le monde est safe, il n'y a pas de problème. Pour l'éducation, les gens sont peu éduqués. Par contre, beaucoup sont éduqués à l'école primaire. Donc ça, c'est très bien. Voilà qui fait plaisir. La plupart ne sont pas débiles. Éligibles 1843 et 301. Donc très bien, on est encore largement dans les capacités. Pour le bus, c'est ça, il faudrait un bus. Ça coûte 30 000 $. Alors c'est gentil. Ma puce. Tu vas te coucher? Tu t'endors? Tu veux que je te couche? Et si ça m'arrête? Mais j'aurais eu. No fun is allowed. No fun is allowed. Un bisou. C'est la dissidence. Non. L'abandon d'une ville par son maire. Non, le maire tient. Le maire tient. Le maire a négocié comme un chef. Le maire est heureux. Le maire est dissident. Si je fais une petite route à double voie. Parce qu'après tout, les routes à double voie, on a beau dire, hein, mais c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir du PS, c'est l'avenir de tout ce que tu veux. Quand je dis UPS, je parle du livreur, bien sûr. Il n'y a pas de sous-entendu politique, bien sûr. Non. Enfin, eux, ça les dérange, mais moi, je le vis très bien, personnellement. Politiquement parlant, le parti que je représente, ma chérie, a fait bien pire. Hein. Il a pas détruit que des maisons. Il a brisé des villes. Merde. This is the worst. Voilà, tu vois, par exemple, ça c'est des usines, il y a des ouvriers, à Sévran, tout ça. Ah. J'en voulais pas de vos voix de toute façon. Alors, là, on peut faire tac, tout simplement. On peut faire des ronds-points.
Je peux pas faire de rond-point. Ça, c'est le plus petit rond-point qui existe. T'as eu le rond-point? Dedans, on fait rentrer 1, 2, 3 centres commerciaux. Il faut arrêter avec vos ronds-points. C'est juste pas possible. Ce rond-point fait le quart de ma ville. Ce rond... J'en parle même pas. Ces ronds-points ne font aucun sens. Moi, j'optimise l'espace. Je suis un créateur d'intemporalité. La crédibilité d'un homme qui s'envole. C'est pas qu'elle s'envole, c'est qu'elle n'a jamais été là. Oh, rien. T'as accepté ma demande, hein. Oui, sans que tu la penses pas. Ça ne me dédouane pas, c'est ça? Ah bah non, forcément. Ok, donc du coup, tout ceci m'a l'air commercialement acceptable, même s'ils seront détruits par la suite pour laisser place à l'infrastructure. Mais pour eux, par contre, il faut plus d'industrie. Je n'ai plus assez d'argent. Donnez-moi de l'argent, les contribuables, là. La boule est le fric. Elle est le fric. L'argent. Voilà, il est là, l'argent. Très bien. Parfait. Il y aura des feux rouges de partout. Être impeccable. Alors que si ça se croisait entre double route, ouais, ça fait tout quand même des feux rouges. Hein. C'est moche. Hein. C'est moche, c'est moche. Et si je fais comme ça, ça fait un feu rouge à ton avis? Pas assez d'argent. Allez, donnez-moi de l'argent plus vite. Voilà. Ça fait des feux rouges à ton avis? Ouais, ça fait des feux rouges de partout, c'est dégueulasse. Comment puis-je faire pour éviter tous ces feux rouges à la noix? Des routes toutes droites. Des routes toutes droites. It's over 9000. Ah mon dieu. Mais tu peux pas créer tes propres ronds-points à l'ancienne? Fuck you, fine. Tu veux que je fasse mes propres ronds-points? Je vais le faire, mes propres ronds-points. Voilà. Excellent. Parfait. Bravo. Donc, maintenant, allez vous faire foutre. Et respecter l'infrastructure romaine. Oh! Ah non, ça marche pas, attends. Là. Pas assez d'argent. Rapportez-moi plus d'argent. Infrastructure romaine. Romaine. Parfait. Bam! Pollué. En vérité, j'aimerais pas qu'ils s'étendent jusque là. Qu'est-ce qu'il bave, lui, le Twitter, là? Avez-vous perdu votre portefeuille? Envoyez un MP pour le récupérer. Eh ben, le mec, il respire par les trous de nez. Hein. Alors, ligne droite. Bam! De l'eau. Et nous, on aime ça, l'eau. J'attends d'avoir 1 900 $. Allez, rapportez-moi de l'argent pour Leningrad. Voilà. De l'eau. Ça fait de l'infrastructure. Que se passe-t-il ici? Ne fonctionne pas. Pas assez de clients. C'est pas mon problème. Pas assez d'employés instruits. C'est pas mon problème. En plus, t'es un magasin de mode. Alors, pas d'offense, mais... À part un master en art... Je vois difficilement ce qu'il te faut comme employé. Alors. Bien. Tout ceci se développe de manière satisfaisante. Tout ceci me satisfait. Il satisfait le grand capital. Et on va continuer à satisfaire le grand capital. Ouh, en rasant des bâtiments. Ceux qui se demandent, c'est comme ça qu'on satisfait le grand capital. Et là, on va mettre des... comment ça s'appelle? Des sens uniques. Bam! Afin de diviser les... comment ça s'appelle? Les feux rouges en deux. Bam! On zèbre de sens unique, comme ça. Bam! Comme à Grenoble.
Mais Bob, à Grenoble, c'est de la merde. Je sais. Et là, on va laisser un grand truc parce que je pourrais mettre un grand parc ou un bel espace. Et du coup, par contre, tout ceci est hors de contrôle. Et donc inacceptable. Là, on peut refaire un quartier, là. C'est pour ça que je voulais pas que ça s'étende trop loin, ça. Un incendie ? Les pompiers seront sur place. Oh ! Les pompiers sont sur place, qu'est-ce que je disais ? Efficacité de l'infrastructure de ma ville. Qui a quelque chose à redire sur l'efficacité de mon infrastructure ? Regarde ça ! Ville parfaite, ville romaine. Il y a un problème d'eau. Il y a quoi ? Un problème d'eau. Et d'électricité, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Pourquoi ils ont pas d'eau ? Ah, il n'y a pas assez d'eau. Ah, il n'y a pas assez d'eau, je vais peut-être augmenter le budget. Et pour l'électricité, c'est parce qu'ils consomment 62 mégawatts et que j'en produis que 60. Et pour régler ce problème, il me faudrait 3 000 $ de plus, donc je vais demander aux contribuables de bien vouloir donner de l'argent. Plus d'argent, bien sûr. Allez, il manque 2 000 $ là. Allez, à bouler. Le Christ a besoin d'une nouvelle turbine aquatique nucléaire. Donner de l'argent. Ouh, voilà, parfaite. Voilà, il tourne à plein pouvoir. Plus d'énergie verte pour la ville, hurrah pour le maire. Ouais, t'as raison, l'énergie verte. Alors que c'est la pollution de la corruption, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Pas assez d'employés, c'est ton problème. C'est son problème. C'est-à-dire, il y a une autoroute de la mort qui tue en ligne droite pour l'amener au boulot. Il y en a pourquoi ? Allez, 10 minutes de route grand max. Un quart d'heure si t'es à l'autre bout de l'île. Hein ? Ah. Oui, bah... Oui. Les budgets sont ce qu'ils sont. Les budgets sont ce qu'ils sont. Et puis... Alors, du coup, combien ça coûte ? 2 500 pour transférer cette école. Pour la mettre au long de cette grande rue. Pourquoi ? Parce que ça permet de centraliser la chose. Pour les budgets, ça me coûte 2 500 de transférer l'ancienne, là, et 12 500 en faire une autre. Oui, enfin. Vite. Mais oui, tout à fait. Et regarde, il y a une capacité 248 éligibles, capacité 500. En doublant la taille, je n'ai qu'à la mettre au centre, cette école. Et tout ira bien. Les budgets, chers amis. Les budgets. Donc du coup, cette école, on va la mettre... Tac ! Là ! Elle est belle. Du coup, ça fait bien. La grosse école, c'est-à-dire le lycée... Qui est en vert. Là. Tu vois, ça commence à là. Après là, ça s'arrête. Et là-bas. Donc, et les budgets, man. Oh, ils sont tristes. Allez vous faire foutre. Pour le toubib. Il y a un toubib. Il y a un toubib et on a largement la capacité de soins pour soigner tout le monde. C'est très bien. Mais les budgets... Commencez à connaître la chanson. Les budgets. Bam! Voilà. Super. Où en sont les pomplards? Là, j'ai quand même deux pomplards. Un gros pomplard, un petit pomplard. Un gros flic, un petit flic. Ça va, j'ai rien. Sauf la zone Indus, parce que la zone Indus, ça me fout. Pour les poubelles, c'est là, et ça, ça gère. Très bien. Pour l'eau, on y est très bien. Pour l'électricité, on a de la marge. Et ben voilà! Boum! Au milieu de ça, un parc. C'est mon expo parc. C'est ce que j'ai mis. Mini English Garden Park. Location in pool.